C'est mes premiers cours de chant. C'était à Lectoure, au lycée de Saint-Jean, dont M. Gardeil était le directeur. Et je me souviens de mon premier professeur, par contre, de chant, qui m'a fait faire mes premières vocalises. J'ai encore un souvenir très, très ému et particulier, où en chantant des petites mélodies espagnoles, d'ailleurs, il me disait, avant de chanter, tu fermes les yeux et tu t'inventes ton paysage intérieur, parce que nous, une fois que tu vas ouvrir les yeux, on a besoin de voir ce paysage. Il faut le transmettre avec ta voix. Donc c'est le premier choc avec moi-même aussi, par rapport à la vibration du corps, de se dire, oh, qu'est-ce qui se passe? C'était quelque chose de très, très fort, très puissant.